Écoute, vous êtes chez vous, en train de cuisiner, mais t'as la tête remplie de tout ce qui s'est passé dans la journée. Quelqu'un arrive derrière toi. C'est ton mari. Relax. Les premières réactions, pas. Pas, c'est pas. Oh! Non, non. T'es gentil d'être mon mari, tu aurais goûté un tabarouin. Première réaction, très rapide. Il faut que je me défende. Après, tu vois, c'est ton mari, tu te calmes. OK, un enfant, là. Dès que vous touchez à son réflexe de peur, il n'est pas en mode écoute, là. T'es en mode protection. Puis il y a deux, trois options d'inclus dans le forfait, puis surtout quand ils sont très jeunes. Première option, figer. Fuir. Deuxième option. Troisième option, attaquer. Puis la quatrième, là, c'est abandonner. Traitez-moi de n'importe quel nom. Dites-moi que je suis un loser. Tu sais, qu'ils font plus rien, là. Quand ils sont rendus là, là, c'est très difficile. Leur cerveau, leur structure, leur ordinateur est attaqué. Alors, à un moment donné, ils abandonnent. L'autre chose, là, ça ici, là, que le tape est brisé et qu'il est pété, là, ça représente un jeune qui s'est trop fait disputer. Si vous essayez de mettre ça dans une machine pour enregistrer, là, pensez-vous que ça va passer? Non, le tape est pété. Les jeunes qui ont été trop punis, là, le kit audio, ce qui rentre par là, il est pété. Il n'enregistre plus. Ça veut-tu dire que je ne peux plus l'aider? Si vous avez juste des mots, ça veut dire que vous ne pouvez plus l'aider. Mais si vous connaissez l'ordinateur, puis vous passez par les yeux. Passez par les yeux, regardez votre face quand vous y parlez. Si votre face fait « toi, là, va-t'en là-bas, va-t'en, je ne te le dirai plus! » God, il n'a pas enregistré des mots, là, mais vos yeux viennent de dire « mon petit Colin, toi, là, Colin, toi, là. » Imaginez, là, que c'est vrai, là, que ce qui rentre dans leur cerveau, les plus grandes connaissances, ça sort de vos yeux, pas de votre bouche, là. Qu'est-ce que vos yeux disent? Imaginez que c'est vrai. Il y a fut un temps sur notre planète que le langage était par les yeux puis c'était par le corps. Ce n'est pas parce qu'on a inventé des mots que ce langage-là n'existe plus. Alors, vous savez, on dit, ce sont ceux qui ont le plus besoin de votre affection qu'ils méritent le moins.